Le succès, c'est la réalisation progressive d'un rêve qui en vaut la peine. Concept numéro 125, tiré de mon livre 200 concepts pour mieux réussir. Le succès est la réalisation progressive d'un rêve qui en vaut la peine. Beaucoup de gens pensent que le succès est un objectif à atteindre. Vous définissez le succès, vous dites, voilà, le succès pour moi, c'est ça. C'est lorsque j'aurai ça, lorsque je serai... lorsque j'aurais accompli ceci ou cela. Et donc, vous attendez d'avoir du succès pour être heureux. Je vous invite plutôt à prendre conscience de ce concept que le succès est la réalisation progressive d'un rêve qui en vaut la peine. C'est-à-dire que c'est le chemin pour réaliser cet objectif. C'est la réalisation progressive, c'est le fait d'être en cours de route pour atteindre votre objectif. Et ainsi, vous êtes heureux tout de suite. Parce que si le succès, c'est déjà la réalisation progressive, ben vous avez gagné. Et ça, c'est un concept que j'applique depuis quelques années maintenant, où j'ai pris conscience que j'ai du succès. Parce que le succès, c'est tout simplement d'avancer vers un idéal, d'avancer vers un but, un rêve qui en vaut la peine. Comme le dit ce concept, un rêve qui en vaut la peine, ça veut dire quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous fait vibrer l'âme, quelque chose que vous avez envie de faire parce que vous savez que ça va vous faire du bien à vous et à votre famille ou aux personnes qui vous entourent, les clients, si vous avez un produit ou un service. Un rêve qui en vaut la peine, quoi. Quelque chose qui... voilà, qui est cher à votre cœur. Et c'est donc le chemin pour y arriver. C'est déjà le succès. C'est la réalisation progressive d'un rêve qui en vaut la peine. Si vous avez vraiment envie d'atteindre un but, inscrivez votre adresse mail dans Lumière d'Avenir, la voie de la réussite, là en dessous, le premier lien sous la vidéo, pour avoir tous les concepts et beaucoup plus de concepts encore en vidéo. Et puis lisez mon livre, 200 concepts pour mieux réussir.